travaille sur le développement durable. Recherché. Oh, il y a toutes sortes d'infos là-dedans. Par où je commence? Là? Non, là. Ah, tout ça, c'est adéquat pour un travail universitaire, au moins? En fait, c'est certainement pas Google qui va en juger, parce que Google se donne pour mission d'organiser les informations à l'échelle mondiale dans le but de les rendre accessibles et utiles à tous. Il n'évalue pas et ne sélectionne pas. Il ramasse tout ce qu'il rencontre. Google, ça vient du mot « Google », qui veut dire « 1 » suivi de 100 zéros. Et effectivement, Google répertorie tout ce qu'il trouve sans se soucier de la qualité. À qui d'évaluer alors? Aux internautes? Ah, pas évident, hein? Bon, une fois que les internautes auront évalué la qualité des sites que Google leur aura présentés, peut-on imaginer que toute l'information nécessaire à un travail universitaire sera alors complète? Oh que non, parce qu'on ne trouve pas tout sur Google. Il y a plus, les bibliothèques universitaires achètent des droits d'accès à des publications spécialisées dont les chercheurs, professeurs et étudiants ont besoin pour mener à bien leurs recherches. Trouver des documents de qualité pour réaliser ses travaux, c'est une question de bon sens. Posez-vous les bonnes questions. Visitez bibliothèque.uquebec.ca.